100 mètres de natation, jambes attachées, 1 km de handbike et enfin 800 mètres de course à l'aveugle. À l'aréna de Liévin, dans le Pas-de-Calais, 150 étudiants ont investi les lieux pour s'initier au paratriathlon. Une journée organisée par EDF, un des principaux partenaires des Jeux de Paris 2024. On est 10 par série, l'objectif c'est de finir dans les 4 premières équipes. Il y a des steps des alentours, donc Liévin, Valenciennes. C'est très physique, ça nous a permis de se mettre à la place des personnes en situation de handicap. Ça se voit, ils ont besoin d'une préparation bien plus supérieure que les athlètes parce qu'ils ont beaucoup de courage et beaucoup de volonté d'aller avoir un tel niveau. Amandine Petit, Miss France 2021, l'influenceur Just Triad ou encore le présentateur Domingo, candidat de Danse avec les Stars, étaient également de la fête. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intensif là pour mes bras là. Les montées, c'était chaud. Des personnalités qui ont fait équipe avec des athlètes de la team EDF, Théo Curin, Romain Canon, champion olympique d'escrime ou encore Dorian Foulon, champion paralympique de poursuite. Alors là moi je suis Théo parce que je vais récupérer son brassard. À la fin de la piscine, je l'emmène à Dorian qui va partir en vélo. Et ensuite je retourne à mon poste parce que je vais être les yeux de Riyad, donc j'espère que je vais être à la hauteur. Et Amandine, tu m'arraches le bras s'il faut. Hein. Par contre, tu me fais pas la blague de me tirer parce que je ne veux pas aller dans l'eau, ok? En fait, ce qui est extraordinaire sur une journée comme celle-ci, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est une vague de sentiments, d'émotions qui sont extraordinaires, surtout qu'on partage ça avec des athlètes paralympiques qui nous apprennent tellement de choses. Justement, je me dis bah bravo, bravo. Moi, je suis juste en train de regarder ce que tu fais et un grand bravo parce que tu m'as appris plein de choses. Typiquement, la dernière manche, j'ai fait un marathon à New York. Et je me dis, si j'avais fait le marathon à New York en ayant perdu la vue, ça aurait été mais une difficulté tellement énorme parce qu'on perd, en fait, on perd tout repère, on perd toute notion du temps. J'ai essayé mon max, mais je sais pas si j'étais bon, mais le challenge aujourd'hui, c'est à peu près 200 étudiants. Et on vient faire ce fameux challenge d'EDF sportif. Alors il y a les athlètes du team comme moi qui viennent encourager et aussi participer. Et l'idée c'est de passer un bon moment. Et ça permet surtout de partager, de laisser un héritage à préparer, de permettre de sensibiliser au handicap. Parce que nous, à Athlètes Handisport, on est aussi des athlètes avant tout et on n'est pas que des personnes en situation de handicap. Et c'est ça qu'on veut rendre comme image et que par la suite, eux, ils transmettent ça à leurs futurs enfants, etc. Donc c'est le but en tout cas de l'enjeu avec le team EDF. C'était super cool, super ambiance, des guests vraiment trop cool. Théo Curin, super sympa, ils étaient tous super sympas. Et super pour les équipes, plein d'équipes du STAPS de Liévin qui sont qualifiées, c'était génial.